Alors, je crois que ce soir, on a un invité surprise. Alors, il est arrivé par hasard, comme ça, tac. Nous, on était au gastro solide. On entend quelque chose qui ressemble à une deux chevaux. Non. Non, non, c'est pas une deux chevaux. Ça, on a le bruit. Ah oui, non, mais ça doit être l'antenne qui doit vibrer avec le vent. Ouais. Bon, eh bien, ce QSO, on va le lancer. Alors, ah, c'est bien calme sur la Méditerranée. Ok, c'est pas grave. Salut, station fréquence, les mots sur 1350 à vous tous de la part de Dandy 33. Alors, on est le samedi 25 juin 2016. Et c'est parti pour le QSO national du canal 27. Bon, j'ai entendu un petit peu gratter là tout à l'heure derrière au loin. Alors, les stations en avant. Et j'ai encore fait un faux départ. Mais c'est pas vrai. Ouais, à chaque fois, je fais le coup. Les mots sur 1351, les stations en fréquence. Oh, j'ai entendu quelqu'un à la train QRP. Attention, la station là que j'ai entendu, la train QRP là. Les bonnes sur 1351. Bon, on m'entend peut-être pas. Voilà, j'ai mis. Je suis passé à 4 watts 5 là. Hachis. Oui, la station là, quand, que j'ai entendu là tout petit là derrière, là, j'ai un petit peu de QRM là, de mon côté là. Bon, attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Bon, on dirait que c'est un petit peu diesel ce soir. Attention, Delu 33. Attention, Eric. Attention, un tour de contrôle pour Dandy qui vous appelle. Bon, bon, on va attendre un petit peu, on va bien voir ce que ça donne. Ok, alors Delu 33, vu, je viens de voir ton message là sur le forum, t'as les pizzas qui viennent d'arriver, t'auras un peu de retard, ça marche, à tout à l'heure. Bon, attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Et vous êtes tous mis d'accord ce soir là pour acheter des pizzas? Ok, les 2073, la tour de contrôle. Voilà, donc Eric n'est pas encore arrivé. Et il doit être coincé entre je sais pas, l'Odu du lot, oh, ça y est, je vais pas y arriver, Delu 33, lui, il est en train de manger sa pizza, donc il aura un peu de retard, donc pour le moment, on n'est que tous les deux. Alors, as-tu passé une bonne journée? Oui, encore pour venir vous trouver, j'ai pris ma médicoptère.
Oh, mais c'est pas un problème, hein. Il n'y aurait eu personne dans le QSO ce soir. Bon, ben, des QSO, de toute façon, il y en aura d'autres, hein. Il y a plus dramatique, hein, Chi. Ok, à de suite. Ok, voilà, ouais, ok. Alors, Dolu 33, est-ce que t'as fini ta pizza? Ah, elle doit être bonne cette pizza. Bon, attention les stations en fréquence pour le QSO national du Canada 27. Ça fait bien longtemps que ça n'avait pas été aussi calme. Alors, il y a quelqu'un qui s'est signalé là au tout début, c'était très QRP de mon côté. J'ai un peu de QRM en plus, c'était dedans, donc j'ai pas pu reconnaître. Oui, là, je suis passé voir ça. Celui-là, ce blog-là, fait des petits un peu partout sur Internet. Puisque là, aujourd'hui, je dois être... allez, non, si j'annonce un chiffre, ça va faire prétentieux, quoi. Ça m'étonnerait qu'il y en ait qui n'entendent pas parler de la CB, en tout cas. Ça, c'est clair. Parce que là, j'en ai mis dans tous les recoins, quoi. Il va falloir que j'aille voir ça de plus près, quoi. Ah, parce que là, du coup, aujourd'hui, là, comme demain, là, j'étais au pro. Et j'étais occupé de tous les côtés, aussi bien à en créer d'autres que faire mon propre boulot. Ce qui fait que, du coup, j'ai pas eu le temps de bien. J'y suis passé, hein, sur le blog. J'ai regardé s'il y avait des nouveaux messages, dont bon, non, ok. Demain, il faudra que j'y retourne là pour zioter un petit peu ça, quoi. Noyé dans les QRM derrière, il me semble entendre quelqu'un, mais je suis pas sûr, à moins que ça soit un petit coup de propag. T'as vu ça, comment il passait fort, moi, de mon côté? Là, c'était pas possible, tout simplement, quoi. Putain, j'ai halluciné, quoi. Mais c'est de ma faute. J'aurais dû écouter d'abord la fréquence avant qu'on fasse QSY. Ça aurait été plus logique. Bon, on dirait que Eric n'est pas là ce soir, il a rien dit de particulier.
Ok, ben les bandes 73, Pierre-Michel, hélas, j'entends que dalle. De temps en temps, j'entends un Roger Beep là derrière. Je pense pas que ce soit lui. Non, je l'entends pas. Hein. C'est vrai que là je suis à 3 watts. Ok, allez, pour te faire plaisir, attends, le temps de relâcher le micro, je passe à 5 watts. Voilà, ok. Est-ce que ça va mieux là? Ok, non, je ne sors pas du tout. Hein. C'est vrai que par moment, j'entends un petit peu gratouiller dans le lointain derrière, et encore, je suis même pas sûr. C'est. Non, je ne le sors pas, moi, là. Oui, mais t'as de l'ASM derrière, hein. Ouais, un petit peu par moment. C'est vrai que j'entends un petit peu gazouiller derrière dans les QRM. Waouh, voilà Eric, les bandes 73 Eric. Oui, 73 Rémi, les habitants, je ne sais pas qui est avec toi, c'est Mimi peut-être, la tour de contrôle, et puis d'autres stations, mais j'entends pas là, ce soir j'ai de la surmodulation avec des parasites, c'est pas si grave, alors c'est dur. Ok, je pensais que Michel allait reprendre le micro, ou éventuellement Pierre-Michel, en espérant ne pas le surmoduler. Les bandes 73, retour à Eric, retour de micro sur Michel. Dans ces cas-là, je ferai le QSP là sur le forum, il n'y a pas de problème. Mais attends, ce coup-ci, à part commencer deux fois la même connerie, je jette un coup d'œil, je reviens. Ok, de mon côté, 27-270 ou 280, c'est pareil, au choix. Zut. Yeah.
Ok, ben, signal donné, 27-270, on passe sur le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. Ok, c'est parti pour tout le monde. Ok, voilà, donc voilà, je suis rendu. Alors, je sais pas si, oh putain, mais c'est pas vrai ça. Delu33, je sais pas si s'il a suivi derrière. Bon, il n'était pas encore dans le QSO. Bon, bah, il nous retrouvera de toute façon. Hein. S'il n'entend personne sur le 27-275, il sait où nous retrouver, il n'y a pas de problème. Bon, voyons si ça va mieux là de votre côté. Retour Eric, puisque c'est toi qui avais l'air d'avoir le plus de QRM. Ouais, mais écoute, là c'est dur de voir ce soir-là. Je sens ça avec une radio de 1, par contre une radio de 1 et Michel c'est pareil, voilà. Je sais pas ce qu'il y a de mon côté ou si c'est là, un mec qui a des QRM, c'est des statiques là, c'est impressionnant, voilà, donc je sais pas si vous m'entendez de votre côté, mais moi c'est vraiment difficile pour moi, là. Voilà, retour à Michel, je vais pas tourner. Ah, moi je t'en reçois 56, il n'y a pas de problème, hein. Je te dirais que c'est même plus propre que sur 75. Retour à toi, Rémi. Ok, bon, c'est vrai que toi, Michel, là, je t'entendais déjà bien. Bon, c'est un petit peu plus propre. Bon, mais Eric, avant de... Parce que je sens bien que là, tu as bientôt QRT. Je te demande simplement d'attendre encore un peu. J'en dis pas plus. Alors, Rémi, je suis désolé, j'ai compris à moitié ce que tu disais. Alors, si quelqu'un peut faire le QRT, mais là, je suis désolé. Moi, ouais, juste une info que je vais vous donner, puis qu'on va attendre un petit peu quand même, pour demain. Demain, il y a la Corse qui va faire les activations. Ils vont faire les activations, je ne sais plus de quel point de la Corse, je pense que c'est du côté du Cap ou quelque chose. Et ils seront sur le 530 et ça commencera à l'entour de 10h du matin, je pense, voilà, toute la journée. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais voilà, ça devient dur, dur, là. Allez, retour. Eric, oui, c'est mon copain Alex, le Corse, sur le 27530. Par contre, si moi tu m'attends un peu, Rémi te fait dire de patienter un peu. Ok, demain je serai au pro, puisque là debout encore 4 heures, donc là je pourrais hélas pas les suivre. Peut-être que je pourrais faire une petite écoute là sur le web SDR là du département 30. Ouais, quoique des fois ça leur passe au-dessus, on n'arrive pas à entendre là sur leur truc. À même pas 6 mètres du sol, Alex de Corse m'arrivait à 56-57. Ouais, ouais, mais c'est quand? C'est avant-hier, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. J'étais en écoute sur la même fréquence sur le DK, sur le web SDR, et j'entendais la Corse passer sur le DK et rien sur le web SDR. Comme quoi, tu vois, là, ça passait vraiment au-dessus de leur tête, quoi. Et... Ouais, mais faut faire gaffe parce qu'il est en directive, il a une troisième image. Ah. J'ai entendu parler, je ne sais pas qui c'est là. Je remonte vite fait sur le 27-275 en USB pour relancer un appel général et avertir du QSY. Ok. Ok,
Bon, attention, les stations fréquences pour le QSO national du canal 27. On a fait QSY sur le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. On a tous fait QSY sur le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. Je crois qu'il y a eu un break. Et qui c'est qui a parlé? Je ne sais pas encore. C'est moi, tu étais sourd ou quoi? Oh là là, va te laver les oreilles. Il y a un deuxième break aussi, les 73 Thierry. Ok, c'est le coyote, Eric, c'est le coyote là qui est en fréquence. Ok, département 47, eh bien, j'étais avec compliment tout à l'heure. J'ai compris, c'est le. Le coyote, t'es con ou quoi? Le coyote, ah, moi, c'est pas chez moi, je suis désolé, ben voilà, je vous aime sans personne ce soir. Donc là, je sens le mal pour moi, parce que là, je suis désolé, là, impossible. Une petite souris, je lui ai bouffé son câble et je pense qu'elle s'est vengée, mais ça va, elle a bouffé le parleur. Ouais, il y a eu un break. Eric, Thierry te demande si t'es belge. Je sais pas. Par contre, il y a eu un break. En avant le break pour l'ensemble du groupe avec les bandes 73. Oui, le break en avant. Je vous ai sur le 23. On est en Lima, Sierra Bravo. On est en Lima, Sierra Bravo. Bascule. Ben, c'est ce que je viens de te dire. Le Lima, Sierra Bravo, chez moi, ne fonctionne pas. Ok, je fais remonter tout le monde. Alors, les stations, l'ensemble du groupe, on a un OM là qui nous break, mais il a un problème, il a les Lima Sierra Bravo qui ne fonctionnent pas. Donc il nous demande si on peut passer sur la même fréquence en uniforme Sierra Bravo. Ok, alors pour l'ensemble du groupe, on passe tous sur la même fréquence en uniforme Sierra Bravo. Uniforme Sierra Bravo, même fréquence. Uniforme Sierra Bravo. Ok. Ok, voilà, on a un break là qui nous attend là sur cette fréquence. Il a un souci, il a les Lima Sierra Bravo qui ne fonctionnent pas. Par contre, en uniforme Sierra Bravo, tout va bien. Alors, d'abord, est-ce que tout le monde est là? Ah, moi, je suis là, hein. Ok, Eric. Je reste à l'écoute, à part si peut-être il y a, oui, ça fait...
il veut. Là, il va m'arriver plein pour les oreilles, là, la chose à côté, mais sinon, pour moi, c'est impossible, sinon. Allez, je reste à l'écoute. Ok, il y a peut-être un break qui va te casser les oreilles, là, Eric. Hachi trois coups, en avant le break. Allez, bonne 73-51 à toutes les stations, de 14 ODR 016, 14 Oscar Delta Romeo 016, et l'opérateur est Claudie. Ah oui, en voyage sur le département 33. Voilà, les bonnes 73 à tous. Ok, la tour de contrôle, les bonnes 73 à toi Claudie, la tour de contrôle, est-ce que tu l'as entendu? Ah, c'est le Coyote de Libourne, donc département 33, en avant le Coyote. Oh, il est bizarre le QSO ce soir. Eric, est-ce que tu as réussi à entendre Claudie, là, qui est de passage là, sur la Gironde? Alors, il nous a fait une petite surprise. Là, on était au gastro. Puis, on entend une voiture. Là, plus ça va, plus on entendait la voiture se rapprocher. Et on regarde dehors. Et bien, c'est notre ami Claudie qui vient nous rendre une petite visite. Alors là, Rémi, je suis désolé, mais j'ai rien compris. Ah ben quand même. Ok, Eric, est-ce que tu m'entends mieux là? Moi aussi un petit peu plus tard, je reviens, oui. Bon, là je suis à. Ouais, j'ai poussé un petit poil de plus. Ouais, ce soir, on a la visite surprise de Claudie. Voilà, on était en plein gastro quand on a entendu un bruit de voiture se rapprocher de plus en plus. Et surprise, nous voilà avec Claudie au QRA. Et là, il est en ce moment là, grimpé là, sur la colline, là, sur une des collines là, de Sainte-Colombe, justement là pour être avec nous dans le QSO. Alors, j'ai compris un petit peu que tu vas parler de Claudie qui était sur une colline, là, c'est ça, mais j'ai pas tout compris, je suis désolé. Affirmatif, il est avec nous, en avant Claudie. Allez, bonne 73 Eric. Moi ici, moi de mon côté, moi je te copie bien. Donc j'espère que toi aussi. Voilà. Dundee, toi tu m'arrives, comment dire, pour que je joue avec le RFG. Non mais sinon c'est saturation là. Allez, bonne 73 à tous ceux qui sont là. Tu m'étonnes. Il a de la pièce, mon Rémi. Tout à l'heure, j'ai la chaudière qui va exploser. Non, il y a un petit peu de marge encore. Ah, tu m'étonnes, s'il y a 200 mètres peut-être à vol d'oiseau, hein, c'est peut-être tout. Hein, 200-300 mètres, c'est peut-être un maximum en ligne droite. Ah, c'est pour ça qu'ils sautent sur les rêves gains. Hein. Vas-y, retourne le micro, Claudie, pour nous donner un peu des news des Charentes. Ouais, ben en Charente, il y a beaucoup de Charentettes. Ah non, mais c'est affolant. Ce matin, j'étais en train d'écouter, là, comme j'ai expliqué un petit peu à Dundee.
Et puis, j'y vais, moi, cet après-midi, comme je suis pas sorti, j'ai dit, je vais me promener. Je savais pas où j'allais, hein, mais bon, j'ai pris le push et puis je suis parti comme ça, là, en vadrouille. Il était quoi, midi et demi. Et puis, ben, me voilà débarqué, là, sur le QTH de Dundee. Et je dis, ben, je vais l'appeler, je vais voir s'il est là. Ouais, tu parles, mon copain, que dalle, y'avait personne. Pas de téléphone, j'ai appelé en fréquence, personne, rien. Je dis, ben, c'est rien, j'enlève les pieds en plat. Et ben, voilà la surprise. Claudie, je crois qu'il t'a cité là. Non, je plaisante. Non, pourquoi? Mais parce que pour qu'il couche, il faut avoir la mise au ciel. Ah, Chine, surtout que là, il y a un bout de kilomètre quand même. Hein. C'est la deuxième fois là qu'il nous fait le coup. Il était venu aussi pour Radio Broc. Il y a combien de kilomètres là ici de chez toi ici, Claudie, hein? Alors mon QRA, ton QRA exactement, il y a 237. T'entends ça, Michel? Ah, moi, mon QTH, c'est Chaston, entre Rochechouart et Sabanet. Ah oui, mais l'on m'étonne. Voilà la partie du côté de Campolage. Ok, l'autre, il va pouvoir aller au folklore. Affirmatif, ouais, 30 km de Confolan. Je connais le coin, très très joli. Mais, par contre, l'hiver, quand il y a l'hiver, là, quand on est là, le trou de Campolage, ou alors faut avoir une Super 5, ça passe partout. Ah ouais, mais une fois j'ai essayé de sortir, j'étais en tempête, c'est pas hier, hein.